Salut mes chers abonnés, c'est MrGame38. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu du mois de juin. Alors, avant de commencer, allez voir ma vidéo compte rendu SOD. J'ai rentré des choses sympas. Allez la commenter, allez vous abonner, allez la regarder. Et là, je vais vous faire voir des restes de SOD que j'ai trouvé dans un autre carrefour. C'est pas mon carrefour habituel, mais vous allez voir ça. Et ensuite, on enchaînera sur des achats à la ressourcerie en cash et avec un youtubeur. Alors, pour commencer, j'ai pris le 30 en 1 Game Collection Volume 1, excusez-moi. Dans les bacs, il était à 15 euros et il y en avait dans le rayon à 30 euros. Alors, je suis allé voir la vendeuse, je lui ai dit, passe à combien? À 30 ou à 15? Et au bout du compte, il est bien passé à 15 euros. Alors, c'est bien un jeu de mini-jeu. Il y a bien la cartouche, c'est pas un jeu chute avec un code. Voilà pour préciser. Voilà, ma femme elle a commencé à jouer. Il y a des bons jeux de réflexion. Voilà, pour 15 euros, c'est le prix qui est assez correct. Ensuite, dans le bac à solde, un jeu de la Team 17. Un Team 17 pour vous, c'est quoi? Un Worms. Alors, j'ai trouvé ce Worms à 5 euros. Dans mon premier carrefour, il n'y était pas. Et là, il était présent dans ce carrefour-là. Et je l'ai pris 5 euros. J'adore ces personnages. Ces vers de terre, exactement. Où il faut péter les autres en équipe. Et il faut être un peu stratégique. Mais bon, les moins de 20 ans connaissent pas. Mais les autres me suivront. Après, j'ai fait un achat avec deux films avec le youtubeur RetroGame52, Matt. Allez voir sa chaîne, c'est une chaîne très nostalgique où il parlait de jeux, de films, de dessins animés. Bon, maintenant sa chaîne est un peu un stand-by, mais allez voir, vous verrez bien. Dans les dernières vidéos, il présente la PS5, des figurines des années 90, vous allez voir. Tapez RetroGame52, il a même dépassé les 2000 abonnés. Alors, il m'a vendu la Fureur du Dragon de Bruce Lee, avec le fameux affrontement à la fin avec Chuck Norris dans le Coliseum de Rome. Voilà, c'est un film à voir. Après, l'autre Fureur du Dragon avec une autre édition. La première, c'était René Château. Après, dans la même collection, le jeu de la mort, le film que Bruce Lee a pas terminé. Ils ont utilisé une doublure. Voilà, mais c'est un très très bon film. Dommage qu'il est décédé. Voilà, le jeu de la mort. Puis Opération Wagon avec un boîtier DVD très spécial en carton. Voilà. Que ce film, j'ai vu mon Blu-ray que j'avais acheté, mon Blu-ray Steelbook d'Opération Wagon. Et vraiment, le master, il est vraiment de bonne qualité. Franchement, voilà. Je suis bien content de mon achat des soldes d'hiver 2021. Après, à la ressourcerie, je suis passé et j'ai pris trois trucs pour 1 euro. En gros, 30 centimes pièce, hein, si on va à l'unité. Alors, j'ai pris American Samurai avec Marc Dacascos. Il me semble pas de l'avoir vu, ce film. Mais bon, j'aime bien les films d'arts martiaux des années 90 qui. Voilà, c'est très sympa à regarder. Voilà, et puis Marc Dacascos. Je l'aime bien dans The Crow. Après, il a fait Onision Strong, oui. C'est un film sur la capoeira qui est vraiment pas mal. Celui-là aussi, je le cherche. Ensuite, j'ai pris le premier Triple X avec Vin Diesel à 1 euro dans une édition DVD vraiment sympa. Voilà. Puis pour terminer, dans le petit lot, j'ai trouvé le Super Mario Bros. Wii, la fameuse boîte rouge. Et voilà, on va dire 30 centimes. Hein. Bon, il n'est pas complet. J'ai commencé à jouer. Il marche très bien. Le CD est pareillé. Voilà. Quoi te dire plus? Même envie de grogner, je sais pas si je l'aurais trouvé à 30 centimes. Voilà. On va ranger un peu autour de moi. Après, on va passer par les achats à Easy Cash. Mais pour le moment. Ah non, il y a du Affairs aussi. Affairs et Chirol. Alors, on va commencer par des films. Là, j'ai acheté tout ça comme film. Et j'ai acheté tout ça de jeux vidéo. Voilà. On va commencer par les films. Comment on va rester de se lancer. Alors, pour commencer, j'ai pris, on va dire, le biopic, entre guillemets, sur le braqueur lyonnais
Tony Mugulin qui était couvreur de fond et qui a égaré, on va dire, son camion blindé. Mais bon, c'est pas vrai, il avait caché une somme d'argent. Et là, c'est François Cluzet qui prend le rôle de Tony Mugulin. Et Cluzet, c'est un acteur que j'aime bien. Je l'ai aimé dans Intouchables. Après, il a fait quoi comme film? Bref, il en a fait pas mal. Et franchement, c'est un gars que j'aime bien. Et puis là-dedans, je pense que comme il prend toujours ses rôles à cœur, je pense que là-dedans, il va bien jouer son rôle. Je l'ai payé 4 euros en boîtier noir. Quoi dire plus? Dites-moi, mes fans de cinéma, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. J'ai pas vu de bande-annonce, rien du tout. Long si, je le verrai avec plaisir. Ensuite, j'ai trouvé à faire des chiroles un 4K Ultra HD d'un film Marvel que pas mal de personnes n'ont pas aimé. Moi, je l'ai vu grâce à Canal+ et je l'avais apprécié moyennement, mais je l'avais apprécié. Alors, c'est le X-Men Dark Phoenix. Voilà, en 4K Ultra HD, comme je disais tout à l'heure. Et je l'ai payé 9,99 €. Franchement, j'ai vu sur Amazon encore au prix fort. Et quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai pas hésité. Un 4K à moins de 10 euros, ça se refuse pas. Voilà. Ensuite, une saga que j'ai jamais vue depuis 40 ans. Hein. La saga de Mad Max. Alors, je l'ai trouvé. Là, j'en ai pour 3, 6, 9. Ouais, pour 20 euros, on va dire. Pour 20 euros, j'ai trouvé la saga Mad Max en entier dans le rayon. Alors, j'ai vu après en solde, vendredi au samedi, qui vendait la trilogie, la quadrilogie à la Fnac. Bon, je savais pas. Et bon, des fois, je revendrai les 4 pour prendre la quadrilogie, je sais pas. Mais bon, je sais que c'est une saga post-apo avec Mel Gibson, avec des bagnoles très déjantées, tout ça. C'est un peu violent à la course à la mort avec Statham. Voilà, comme ça, je connais quand même l'univers, mais j'ai pas vu. Alors, il y a le premier. Voilà, avec 3,99 €, je vous le remonte. Voilà, premier Mad Max. Le deuxième Mad Max. Voilà. Le troisième, je trouve la jaquette vraiment jolie avec Tina Turner. Voilà, le troisième Mad Max. Et le dernier, Charlize Theron et Tom Hardy dans le dernier Fury Road Mad Max. Voilà. 3,99 €. Voilà, je vais me faire avec plaisir de la regarder, cette saga Mad Max. Avant de vous quitter, je vais vous faire voir les achats jeux vidéo. Alors, on va commencer par le jeu GameCube. Alors, si vous vous rappelez, dans mes anciennes vidéos, j'avais rentré le Sonic Heroes il y a longtemps et le boîtier il a été défoncé. Et comme c'était un boîtier gris, et j'en ai trouvé un, je voulais pas mettre trop cher. Excusez-moi, j'ai pris un FIFA 03 sur GameCube à 2,99 € pour pouvoir upgrader mon Sonic Heroes que je vais mettre dedans et lui dans le boîtier cassé. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour ma full set versus fighting, j'ai pris le Dead or Alive 5 Ultimate sur PS3 à 4 euros. J'avais vu plusieurs fois l'ancien prix qui était de 15 euros, mais 15 euros, je voulais pas les mettre. Je trouvais que c'était que je l'ai trouvé encore plus bas, et quand je l'ai vu à 4 euros dans les bacs, je l'ai pris sans hésiter. En plus, complet le jeu de la Team Ninja avec Kasumi, et puis plein d'autres. Hein, voilà, avec l'héros de Ninja Gaiden aussi. Voilà, franchement, c'est une bonne saga. Après, j'ai pris un steelbook de GTA V. Voilà. Qui est magnifique. J'aime pas vraiment GTA, mais je respecte le travail de Rockstar. C'est un jeu magnifique, un open world gigantesque. Le 6, à mon avis, ils vont dépasser les limites. Voilà. Alors dessus, il y a les trois persos de la trame principale de GTA V pour un braquage. Il est complet et je l'ai payé
8 € pour un steelbook. Franchement, je suis content. Et je l'ai posté sur mon Instagram, Mister Game Entretien. Venez me rejoindre. On a dépassé les 1000 followers. On va arriver tranquillement aux 1200 followers dans quelques temps. Là, je crois qu'on est arrivé aux 1100. Voilà. Et cette photo a fait pratiquement 60 j'aime. Voilà. Venez me rejoindre, c'est Mister Game 38. Je poste des photos de ma collection. Et je suis vraiment content de l'avancement qu'il y a sur Instagram. Et vous pouvez même me parler en privé. Je vous réponds avec plaisir. Je parle avec quelques abonnés depuis quelques temps. Après, là, je vais vous faire voir un achat que c'est mon fils qui l'a fait tout seul avec sa mère. Il avait envie d'essayer la saga d'Ubisoft Far Cry. Il a pris le 5 parce qu'il sait qu'il y a le 6 qui sort. Il a dit s'il aimait celui-là, il essaierait Far Cry 6. Comme vous savez, mon fils, hein, sinon son handicap, il ne sait pas trop parler. Alors lui, il s'en fout un peu du scénario. Lui, qu'est-ce qui compte pour lui, c'est le gameplay. Alors, il a trouvé le gameplay vraiment punchy et il a envie de continuer. Moi, des fois, il m'appelle et je lui dis un peu qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour le moment, voilà, il est dans l'aventure. Là, il doit pêcher des poissons pour pouvoir avancer dans l'aventure. Voilà, la scène de gunfight est magnifique. Voilà quoi dire, je pense c'est vraiment un grand jeu. C'est vraiment une... Je sais pourquoi maintenant les gens aiment la licence Far Cry. Voilà, moi aussi, j'ai essayé 10 minutes, j'aime bien. Mais je le laisse faire lui tout seul, qu'il serait vraiment bloqué, je viendrai l'aider. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Essayez de voir la vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai vu mes statistiques de mes vidéos. Vous voyez entre 1 et 5 minutes mes vidéos. Bon, c'est pas, je vous en veux pas, mais essayez à la voir jusqu'au bout. Et ok, mes abonnés, allez, je vous aime. À la prochaine.